La paix soit avec vous, donc chronique numéro 12. Dans cette chronique, je vais tâcher de vous parler d'un homme incontournable qui malheureusement a été passé sous silence. Donc, cet homme s'appelle Lucien Goldman, qui pour moi est une référence. Alors je voudrais parler un petit peu de certaines idées qu'il a pu développer, qui malheureusement, comme je viens de le préciser, ont été passés sous silence. Alors, qui est Lucien Goldman? Lucien Goldman est né en 1913 et décédé en 1970. Il a essayé, dans ses travaux universitaires et de penseur, de développer une forme d'humanisme marxiste. Alors bien entendu, il ne rentre pas dans les canons classiques, aussi bien des adversaires tels qu'ils se font de la thèse, ou si je peux m'exprimer ainsi, des idées marxistes, et également, je dirais, des penseurs plus classicistes. Alors, pour bien planter le décor, Lucien Goldman est né en Roumanie et a mené, je dirais, la quasi-totalité de sa carrière en France. Et pourtant, il a été passé sous silence, un peu comme Michel Kluskar. Soit dit en passant, je ferai un audio sur Kluskar, parce que je pense que c'est un penseur incontournable qui également a été passé sous silence par la nomenclature politico-culturelle ou la structure, je dirais, médiatico-financière. Bon, revenons à Lucien Goldman. Donc, je précisais qu'il est né en Roumanie en 1913 et décédé en France en 1970. Alors, pour faire rapide, à 14 ans, il intègre le HOMER, donc, et le Hatzair, qui est la jeune garde, d'un mouvement de jeunes socialistes sionistes. Alors je sais, je vois les gens encore me dire, oui, mais c'est comment ça, c'est un sioniste. Non, attendez. Il faut savoir que il y a deux courants sionistes qui se sont à la longue diamétralement opposés. Il y a le courant sioniste classique, que l'on peut qualifier de droite, et bien entendu de principal soutien de l'État d'Israël. Alors, c'est ce sionisme aujourd'hui qui malheureusement monopolise un petit peu toute l'information, avec tout ce que l'on peut savoir comme, je dirais, exagération ou pensif, bien qu'il existe, même si maintenant il n'a plus lieu d'être, puisque l'État d'Israël existe. Et il y a eu un mouvement qui a existé, qui fut des jeunes socialistes sionistes. Alors, les socialistes sionistes étaient avant tout des socialistes. Bon, ce mouvement, bien entendu, s'est effacé et a disparu au profit du second. Donc, il y avait un mouvement socialiste sioniste et il y avait un mouvement de droite sioniste. Et celui qu'on invoque en permanence le plus souvent, c'est bien entendu le mouvement de droite sioniste. Bon, ceci étant, taxé de Lucien Goldman comme étant, je dirais, un raciste ou quelqu'un qui pourrait avoir des idées de droite ou d'extrême droite, cela est une insulte faite à sa personne. Mais bon, je vais essayer d'étayer un petit peu avec mes modestes moyens, mes modestes outils, de faire comprendre un petit peu sa pensée, qui pour moi est une pensée incontournable. Donc, sa mère, donc Michel Cohen, sa mère qui décide de le faire rejoindre son mouvement, moins par ferveur sioniste que pour l'intégrer. Car il faut savoir que Lucien Goldman était orphelin et avait ce que j'appelle quelques problèmes de santé. Certains pourraient appeler ça qu'il fut, je dirais, bossu. Et c'est là qu'il fait ses premières expériences de lecture et qu'il découvre notamment le marxisme. Il fait ensuite des études de droit à Bucarest, malgré des conditions difficiles,
forte présence de droite, je dirais, antisémite, hein, héritée, bien entendu, je dirais, de la garde de fer de Cordray à nous, s'implique dans des cercles d'étudiants juifs et de gauche. Rapidement, il gagne le Parti communiste. Il est par la suite exclu des rangs du Parti communiste pour, je dirais, révisionnisme ou dissidence, ou en total désaccord avec certaines lignes du parti. Certains, alors cela encore une fois, c'est à vérifier, mais certains l'ont accusé de trotskisme. Alors, vous savez, quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous pouvez lui coller les pires anathèmes. Alors, ses rapports avec le trotskisme, je dirais, en tout état de cause, après avoir étudié ses œuvres, sont non seulement peu étayés, peu vérifiés, peu vérifiables, peu établis, voire même peu évidents. Alors, il aurait milité dans des organisations de type, je dirais, communiste mais indépendant, donc il n'existe pas, je dirais, au demeurant, aujourd'hui, de sources fiables à ce propos. Donc par la suite, il s'exile à Vienne, où il suit des cours de Max Adler. Après l'obtention de son diplôme de droit, il rejoint Paris, où il survit bien entendu dans des conditions assez précaires, petit boulot, enseigne l'anglais qu'il ne connaît pas, je dirais, d'une façon réelle et sérieuse. Finalement, avec l'aide de Jean Kelevitch, il enseigne l'allemand. Donc il essaye d'intégrer l'armée française, mais n'est pas accepté, notamment pour des raisons de santé que je viens de citer. Après l'invasion allemande, il est renvoyé de son emploi, s'enfuit en 1940 en zone libre, et pour cause, parce qu'il était juif. Donc il réside à Toulouse, il mène des activités clandestines. En 1942, il est enfermé dans un camp près de Zurich, mais parvient finalement à s'établir en Suisse, là où il rencontre Jean Piaget, le fameux psychologue. Tout en s'émergeant dans l'œuvre de Lukács, hein, de Georges Lukács, je ferai également un audio sur Lukács, car c'est un personnage incontournable. Mais bon, pour l'instant, nous traitons de Lucien Goldman. Alors, c'est là où, lors de la rencontre, je dirais, de l'œuvre de Lukács, qu'il commence à réfléchir sur des nouvelles visions, des nouveaux apports culturels et, je dirais, idéologiques. Donc il réfléchit sur Pascal, sur Racine, il s'absorbe de la littérature, hein. Et donc c'est, par voie de conséquence, c'est là où il achève une thèse de doctorat sur Kant, publiée en 1948 en France. Alors, à la fin de la guerre, il revient à Paris, est embauché au CNRS, obtient la nationalité française, et je dois le reconnaître assez difficilement. Il a connu des déboires administratifs. Il s'expose bien entendu à de gros ennuis s'il rentre en Roumanie, puisqu'il est considéré comme un militant anti-stalinien. Puis il faut noter aussi que le communisme, si tant est qu'on peut parler de communisme du régime de Ceausescu, qui tient plus, je dirais, d'une dictature de l'individu que d'un réel système. Développer une praxie, une psyché marxiste. Mais bon, enfin bon, ça, je ne vais pas parler de Ceausescu, là n'est pas le moment. Donc revenons à Lucien Goldman, il devient assez rapidement, je dirais, un intellectuel, donc une figure majeure sur la scène française, avec la publication 52, donc en 1952, de Sciences humaines et philosophie. Hein, je vous renvoie, donc Lucien Goldman, ouvrage publié en 1952. Sciences humaines et philosophie. Livre très très intéressant qu'il faut absolument avoir. Lucien Goldman pourrait être comparé à, je dirais, Wolfgang Arrich, hein, qui avait fait une superbe thèse sur Nietzsche et ses frères. C'est un grand penseur hétérodoxe, hein, qui a eu aussi à en découdre avec le SED, donc le Parti Socialiste Unifié de la République démocratique allemande, tout en revendiquant son appartenance, était assez critique. Donc ça lui a connu, ça lui a, je dirais, ça lui a aussi coûté certains déboires. Bon,
Ceci étant, il faut savoir que Lucien Goldman assume une position, je dirais, marxiste assez hétérodoxe, et surtout la soutenance en 1956 de son doctorat, très connu puisque cette thèse est sortie sous forme d'ouvrage qui s'intitule Le Dieu caché, étude sur la vision tragique dans la pensée de Pascal dans le théâtre de Racine, qui sera bien plus tard publié par Gallimard en 1959. La soutenance de la thèse, qui établit une liaison entre Marx, Pascal et l'auteur classique par excellence que peut être Racine, je dirais, fait assez de bruit tout d'abord, puisqu'il questionne, il interroge les milieux bien-pensants, voire même les milieux universitaires. Même si Goldman obtient les félicitations du jury, tous les membres ne sont pas convaincus par, je dirais, ces nouveaux développements. Certains, bien entendu, expriment leur admiration, mais aussi leurs doutes. Alors, je prends par exemple la remarque de Piaget, qui fut un grand psychologue de son époque. Monsieur Goldman, vous savez sans doute qu'il y a des théories intéressantes mais fausses, qu'il y a des théories justes qui ne contribuent en rien ou très peu à la pensée. La vôtre est très intéressante, peut-être elle juste. Alors, des grands journaux parlent de cette thèse, nous avons bien entendu l'Express, Le Monde, qui font des comptes rendus à l'époque. La thèse fait polémique, aussi bien dans les milieux, comme je viens de le préciser, universitaires, conservateurs, comme peut-on, je dirais, comment ils font un peu de réflexion, ma foi, comment peut-on reprocher Marx et Racine, ces remarques, je dirais, xénophobes, etc., etc. Disons que Goldman, qui se saisit des plus grands, je dirais, auteurs pour le déformer, que dans les milieux politiques orthodoxes, c'est-à-dire le Parti communiste et la Nouvelle Critique. Donc, c'est là où Goldman, finalement, au fond, fait irruption de plein fouet dans le champ bien protégé et calfeutré de la bien-pensance, je dirais, de la pensée littéraire. Donc, son analyse sur Racine marque le début de ce que l'on appellera la nouvelle critique littéraire avec l'œuvre de Moron en 1957 sur Racine, de Barthès en 1963, qui reprend certains écrits de 1960 dans le champ philosophique pour un marxisme revivifié. Donc, est-ce que finalement, au fond, pouvons-nous dire que Lucien Goldman est marxiste ou marxien? Là est la question. Alors, pourquoi je définis cela? Parce que loin de l'approche dogmatique qui prévaut selon lui, et je dirais dans le champ politique, à gauche, mais dissident anti-stalinien de longue date, qui se rapprochera par la suite de l'autogestion à partir de l'exemple yougoslave. Vous voyez que les analyses de Marx sont éparses, et en même temps, les systèmes qui se sont, je dirais, inspirés du marxisme et se sont institutionnalisés sont également éparses. Bon, donc, je demande aux gens qui font de l'anticommunisme primaire d'aller lire le livre de l'anticommunisme ou le rapport de l'anticommunisme, et vous verrez que les choses sont on peut plus très, on peut mieux ou on peut plus très complexes, comme ceux qui s'attaquent au capitalisme. Je les renvoie à étudier, je dirais, les différents théoriciens pour voir que les choses sont également plus complexes. Bon, enfin bon, ceci étant, je continue et je poursuis mon tour historique du développement vécu de Lucien Goldman, notamment en précisant que dans cette inscription dans le champ intellectuel se traduit à ce moment-là des débats avec les intellectuels d'envergure, hein, et pas des moindres, donc Sartre, Barthès, Lukács, et des publications régulières d'articles dans les temps modernes et dans Argument. Bon. Il exerce, je dirais, une certaine influence dans le champ intellectuel universitaire. Et un certain nombre d'étudiants se prennent à le suivre, et voire même à suivre ses enseignements. Nous avons des gens comme par exemple Kristeva ou Solers, et d'autres encore, que la liste serait longue et fastidieuse. Pour l'anecdote, par exemple, Turiane considère que son pire ennemi, son pire détracteur, et que c'est à cause de lui qu'il n'a pas pu faire de thèse et entrer dans le monde de la recherche.
Hein, rappelez-vous un petit peu cette phrase qui, n'importe qui à ma place, aurait eu des réactions à la Céline écrite sur Yann. Hein, mais j'ai réussi à surmonter une tentation aussi basse qu'explicable et humaine. Donc, nous en arrivons en 1959. Il devient directeur des études de l'EHE2S, hein, donc l'ESS, et le reste d'une manière définitive jusqu'à sa mort. Alors, au début des années 60, il participe à fonder également le Centre sociologique de la littérature à l'Université libre de Bruxelles, ainsi que plus généralement à la construction de ce champ de recherche. Refusant toute soumission disciplinaire, il continue de s'intéresser à l'histoire et aux fondements épistémologiques du marxisme et publie ainsi, bien entendu, parallèlement des ouvrages éclectiques, comme par exemple Recherche dialectique en 1959 et des ouvrages portant sur la littérature, où il essaye d'appliquer, de développer une méthode de sociologie, de littérature esquissée, dans la fameuse thèse, comme je viens de le préciser, qui est sortie bien entendu, a été également éditée chez Gallimard et qui ces derniers temps a été éditée aux éditions Delga. Ce livre, c'est connu, il s'appelle Le lieu caché, ou Pour une sociologie du roman, en 64, ouvrage également édité de l'époque par Gallimard, mais l'approfondissement méthodologique et théorique est ce qu'il appelle recherche empirique, qui sont toujours mêlés chez lui. C'est pourquoi il s'agit d'établir à la fois une théorie et une méthodologie marxienne, rigoureuse et en perpétuelle évolution. La fin des années 60 présente un tournant complexe à définir dans l'œuvre de Goldman, puisque sa pensée en pleine évolution est stoppée par sa mort brutale en 70. Ses derniers ouvrages sont Structure mentale et création culturelle et Marxisme et sciences humaines. Ces ouvrages sont assez difficiles à appréhender, je dois le reconnaître, car Goldman cherchait toujours d'une part à approfondir sa pensée et ses méthodes, et d'autre part à lui apporter sa propre critique, ce qu'on peut appeler l'autocritique, je dirais, du penseur. Pour lui, l'importance de corriger par rapport aux évolutions contemporaines, rappelez-vous, c'est ce que je m'évertue à vous expliquer, que une des grandes erreurs des régimes de démocratie populaire, à commencer par l'Union soviétique, c'est de ne pas justement avoir favorisé ce genre d'individus, ce genre de penseurs incontournables qui ont compris qu'il fallait corriger certaines pensées qui pouvaient être figées ou systémiques par rapport aux évolutions des défis, je dirais, de la société contemporaine. Bon, ceci étant, à partir des années 60-70, il a tenté de développer certains de ses préceptes de sociologie, de la littérature, à propos du théâtre contemporain. Pour étayer ce que je suis en train d'expliquer, il suffit, je vous renvoie à Sartre et à Genet, donc à Jean Genet, mais il a aussi critiqué certaines approches de son propre travail et esquissé de nouvelles pistes à développer. Du point de vue politique, les années 60 sont pour lui un moment de perte de confiance en le prolétariat comme sujet collectif historique qui mènerait à la révolution. Quand on voit le prolétariat être 1 million sur la place pour conduire Johnny Hallyday, effectivement, ça pose problème. Mais enfin, ça, c'est pour la petite boutade. Ce qui l'entraîne finalement à repenser, je dirais, les concepts du marxisme, dont l'apport est désormais plutôt jugé à l'aune du concept de réification, et l'application, bien entendu, politique qu'on peut en faire. Ainsi, il développe la notion de réformisme révolutionnaire. Il s'intéresse bien entendu au système d'autogestion que Tito a pu mettre en œuvre en Yougoslavie socialiste. Il essaye de repenser ce qu'on peut appeler la République des conseils, qui a été abandonnée en Union soviétique. Alors,
On pourrait effectivement interpréter ces révisions comme un éloignement vis-à-vis du marxisme, je dirais, classicique, systémique et institutionnalisé, mais il ne cesse de se revendiquer justement du marxisme contre une certaine vision marxiste. Alors, effectivement, on peut même, si je peux aller dans ce sens, interpréter certaines de ces déclarations comme un retour à un marxisme un peu plus orthodoxe, en particulier, je dirais, tout à la fin de sa vie. Bon, voilà, j'ai planté un petit peu la pensée, je dirais, l'itinéraire de ce que Lucien Goldman a pu développer lors de sa vie, ce qu'on appelle la pensée pluridisciplinaire, cher également à Kant ou à Pascal ou à Heidegger. Donc nous avons effectivement une vision de Goldman qui aujourd'hui est une forme, je dirais, une forme malheureusement non achevée d'un marxisme révisité en fonction de la conjoncture dans laquelle il s'inscrit. Donc pour Goldman, l'importance est la prise en compte, je dirais, à la fois de l'approche structurelle et le déterminisme de l'histoire. Goldman tente, je dirais, d'établir un marxisme humaniste dont le représentant le plus illustre, selon lui, et c'est vrai, pas des moindres, est George Lukács. Je vous renvoie à lire Lukács, c'est très très important. Bon. Irréductible, bien entendu, à la fois au structuralisme non génétique, dont Althusser serait je dirais, le bel exemple, et à la philosophie de la conscience absolue, représentée par exemple par Sartre, bien qu'il soit directement influencé par les travaux de Lukács, mais il n'écrit, je dirais, pas dans le même contexte historique. Alors, maintenant, je vais effectivement essayer de déterminer quels sont les facteurs d'une certaine sociologie qu'on pourrait aujourd'hui, d'une façon tout à fait novatrice, appeler comme une sociologie marxienne. Alors, l'un des facteurs contribuant à la recrudescence révolutionnaire, par exemple en France, a été le développement important de la théorie marxiste. Alors que, je dirais, les théoriciens officiels du Parti communiste, comme par exemple ceux Roger Garaudy, ont sombré dans l'éclectisme banal. Des penseurs indépendants ont développé, je dirais, la méthode marxiste en sociologie, en philosophie et en critique littéraire. Je dirais que l'un des plus importants de ces penseurs, à mon sens, est Lucien Goldman. Pour moi, Goldman est je dirais, et celui par lequel est le digne continuateur, je dirais, de George Lukács. Non seulement il s'est imprégné profondément, il s'est influencé par l'histoire de la conscience de classe de Lukács, mais il a passé des années de guerre en tant que réfugié politique en Suisse, où il travaillait quelque temps avec le psychologue Piaget. Je vous ai cité dans mon audio. Alors, il est difficile de définir le champ de Goldman qui recoupe la politique, la philosophie, la sociologie et l'intégration effectivement du fait littéraire. Je dirais qu'il définit sa méthode comme un structuralisme génétique, tout à fait distinct du structuralisme statique, aujourd'hui si populaire, je dirais, dans les cercles académiques français, contre lequel il a dirigé des polémiques vigoureuses, musclées et vaillantes. Peut-être que si on réfléchit un peu plus en profondeur, le concept le plus important qu'il a développé est celui de la vision du monde. Une structure, je dirais, comment pouvons-nous établir cette vision du monde selon Goldman? On peut qualifier ça comme une structure mentale cohérente appartenant à un groupe social qui peut, pas être synthétisé, mais cristallisé dans des ouvrages majeurs de littérature et de philosophie. La principale occupation de Goldman a été d'élucider et de développer l'approche
dialectique en opposition à l'individualisme du rationalisme bourgeois et l'empirisme qui a constamment, je dirais, contaminé la pensée du mouvement socialiste. Et qui finalement, au fond, il a eu, même si il est mort prématurément, l'avenir lui a donné raison. Puisqu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus qu'un corps vide, cherchant à qui mieux, je dirais, à s'attacher à n'importe quelle force implémentée dans la structure du système de la globalisation mondiale. C'est là où c'est important que ces études érudites de Pascal, la fameuse critique du rationalisme cartésien et de Kant, qui lui-même, Kant, fut un disciple de... Moi, je, donc ça n'engage que moi, hein. Je dis que Kant est le Rousseau allemand, puisque Kant, sans Rousseau, Kant n'existe pas, puisque Kant a absolument intégré la vision... du véritable penseur qui était Rousseau et l'a traduit d'une façon plus germanique. Alors, effectivement, comme je faisais état de la critique du rationalisme cartésien et de Kant comme critique des Lumières du XVIIIe siècle et ses essais sur l'acquisition de la connaissance chez les enfants qu'il montre conforme un peu à la manière de l'éducation de Lazare Carnot, dans la méthode dialectique, une seule œuvre de Goleman a été traduite en anglais, The Hidden God. Donc, c'est un livre qui a été édité, je dirais, par Routledge et Keegan, Paul, en 1964. Une étude de Pascal dont l'intérêt, effectivement, très intéressant, puisqu'elle ne se limite nullement aux étudiants de la littérature française du XVIIe siècle. Pour les lecteurs anglais, il y a aussi deux articles dont la signification méthodologique est plus large que ne le suggèrent les titres de sociologie de la littérature, statut et problème de méthode, donc idéologie également de l'écriture, paru en 67. Donc ces œuvres sont majeures et sont maintenant facilement disponibles et dignes d'intérêt, puisque dans certains cercles universitaires, je suis bien placé pour le savoir, il y a effectivement une réintroduction, je dirais une relecture des ouvrages de Lucien Goldman. Bon, ceci étant, même si on sait pertinemment que nous avons une introduction à la philosophie de Kant, avec des nouvelles introductions sur des développements de sociologie ou en sociologie, pour une sociologie du roman par exemple, nous savons aujourd'hui que même Malraux a effectivement établi un nouveau concept de ce qu'on peut appeler le nouveau roman. Alors, j'essaie de bien développer le concept que Goleman a essayé de nous faire comprendre. Nous avons également, en 1957, dans la fameuse revue Les Temps modernes, qui a été réimprimée dans Recherche dialectique en 1959, une collection d'essais sur des sujets littéraires et méthodologiques. Son importance, je dirais, va au-delà du livre de Rubel, qui l'a suscité et soulève des questions fondamentales à la fois, je dirais, de méthode sociologique et idéologie dans le mouvement socialiste. En plus d'offrir une critique du stalinisme et de la social-démocratie, je vous renvoie également à Günter Grass, hein, qui a une bonne analyse aussi également, qui pourrait, je dirais, être mise en parallèle avec Lucien Goldman sur la fameuse social-démocratie allemande. Ce qu'on a appelé à un moment donné la démocratie sociale de marché. Enfin bon. Alors, il faut savoir que ces analyses pourraient servir de base à une interprétation des thèmes jumeaux de la conscience non conformiste et de la nécessité économique dans l'idéologie du mouvement travailliste britannique. Pour plus de détails sur le néo-kantisme ou sur l'austro-marxisme, vous voyez encore des nouveaux termes, je dirais des nouveaux néologismes qui
incarne une idée, je dirais spatio-temporaire, d'un moment et d'une réponse et d'une analyse et d'une réflexion. Je vous invite également à voir, à lire Georges Lichtheim, hein, qui est un marxiste et qui a parlé effectivement de l'essai idéologique des écoles, du néo-kantisme ou de l'austro-marxisme. Alors, dans un ouvrage récent, Maximilien Rubel avance la thèse selon laquelle il existe dans l'œuvre de Marx une dualité entre une sociologie objective et scientifique d'une part et d'autre part une éthique révolutionnaire, je dirais, de l'autre côté. Le problème de l'existence d'une éthique marxiste, alors j'entends les gens disent comment ça, le marxisme a une éthique, ben oui, le marxisme a une éthique, tout comme le capitalisme a une éthique. Alors, le problème de l'existence d'une éthique marxiste et d'une sociologie marxiste, ou plus généralement les problèmes de la relation entre jugement de fait et jugement de valeur dans la pensée dialectique en général, et dans le travail de Marx en particulier, est loin d'être nouveau. Beaucoup de penseurs s'y sont, je dirais, penchés. C'était l'objet, rappelez-vous, d'une discussion longue et fouillée dans la théorie marxiste entre les années 1904 et 1930. Une discussion, je dirais, impliquant les principaux théoriciens des différentes tendances, notamment Karl Voigtländer, Karl Kautsky ou Marx Adler, et bien entendu l'inénarrable George Lukács. Une discussion menée de nombreux articles et de nombreux travaux de très haut niveau scientifique. Alors, effectivement, si on aborde ce problème particulièrement difficile dans l'histoire de la pensée de la dialectique, eh bien, on peut considérer que ces œuvres, bien qu'anciennes, sérieuses et documentées, plutôt que par le livre de Rubel, qui ne mentionne pas du tout, je dirais, d'entre eux, même si elle reprend leur thème, malheureusement à un niveau inférieur, pour comprendre les origines de cette discussion, il faut d'abord la situer, je dirais, dans le contexte de la pensée marxiste à la fin du XIXe siècle. Contextualisons effectivement, je dirais, la réalité environnementale dans un siècle en perpétuelle mutation jusqu'au début du XXe siècle. Le fait que, je dirais que Marx, continuant la philosophie classique, et notamment la pensée hegélienne, avait inextricablement uni dans son travail des énoncés des faits et des jugements de valeur, et en particulier avait montré, dans le manifeste du Parti communiste, jusqu'à ses œuvres finales, qui aujourd'hui sont encore en passe d'être traduites, puisque les œuvres complètes de Marx n'ont pas été traduites complètement, elles sont encore à l'état d'études et d'interprétation et de traduction. Donc, nous voyons qu'effectivement, que dans le manifeste communiste, nous pouvons considérer qu'il est irrévocablement opposé à toute tentative de baser le socialisme sur des valeurs éthiques quelconques. Cependant, la pensée non socialiste occidentale de la seconde moitié du XIXe siècle se caractérise par une rupture avec la tradition dialectique et le triomphe progressiste de l'historicisme, voire même ce qu'on peut appeler, d'une façon peut-être un peu, je dirais, pas primaire, mais je dirais profane, du scientisme. Ainsi, la philosophie académique de la fin du XIXe siècle est revenue à l'idée d'une division radicale entre jugement de fait, qu'on peut appeler bien entendu la science, et jugement de valeur, ce que aujourd'hui on le voit d'autant plus par la préoccupation de certains penseurs ou intervenants, l'ingénierie sociale ou éthique. En Allemagne, par exemple, cette position a été présentée pour la plupart comme un retour à Kant. Donc, le néo-kantisme, qui est en fin de compte en réalité un retour à Fichte, hein, en France, Poincaré l'a exprimé dans une phrase destinée à devenir célèbre en disant que
des prémices dans l'humeur indicative, on ne pourrait jamais tirer une conclusion dans l'humeur impérative. Bon, comme il n'y avait pas de division étanche entre la pensée académique et la pensée socialiste, et puisque de toute manière, cette évolution était l'expression, je dirais, d'une stabilisation générale des sociétés occidentales qui affectait aussi le mouvement ouvrier, cette conception devient rapidement dominante parmi les principaux théoriciens de la soi-disant marxisme orthodoxe. Ce qui, finalement, au fond, a eu pour conséquence, je dirais, de transformer le concept dialectique du socialisme scientifique, cher à l'Union soviétique, en concept scientiste de la science, dans l'humeur, je dirais, inducative. Bon, cet objectif est assez étranger à tout jugement de valeur. D'ailleurs, je voudrais signaler que d'une part, il était, je dirais, ils étaient à l'époque les chefs des mouvements socialistes, et d'autre part, ils croyaient et se voulaient fidèles à la pensée de Marx. Et donc implicitement à l'hostilité notoire de Marx à tout socialisme éthique, ce qu'on a défini par une certaine forme de, on pourrait qualifier aujourd'hui de technologie sociale. Alors fondée sur une science objective de la société, de la même manière qu'une technologie proprement dite reposait sur les sciences objectives de la nature, pour eux cette technologie sociale constituait la politique socialiste. Disons que pour essayer de dénuder un petit peu ce que je viens d'expliquer, la situation est un peu plus claire. Le marxisme orthodoxe, comme la pensée académique, soutient l'existence d'une science objective de l'histoire et de la société, et appelle simplement à une intervention active de nature politique dans la vie sociale. Une telle intervention était fondée, je dirais, sur même, je dirais, sur cette même science et visait une certaine forme d'accélération, voire accélérer, je dirais, une évolution inévitable en son sein. Le différent entre penseurs marxistes et philosophes académiques n'était pas sur la nature de l'objectivité dans les sciences sociales et historiques, mais sur ce point, tous étaient à l'unanimité, je dirais, d'accord, mais sur le complément pratique de ces sciences, ce qu'on appelle le complément qui, selon les marxistes orthodoxes, devait être, je dirais, un caractère politique. Mais selon les nombreux penseurs académiques, notamment les néo-kantiens par exemple, de nature plus éthique. Donc dans cette situation de réflexion entre les différents experts, la position des marxismes orthodoxes était difficile à défendre. Car évidemment, l'œuvre de Marx continuait quelque chose de tout à fait différent dans une collection de recettes politiques, conçues, bien entendu, sur le modèle de la technologie. Il suffit de lire quelques pages pour se retrouver face à un humanisme militant, valorisant l'homme, que les positions orthodoxes ont du mal à expliquer, au moins sur le plan théorique. Donc, c'est facile de prévoir l'immense, je dirais, voire même l'imminence d'une interprétation néo-kantienne du marxisme. C'est souvent, les gens ne voient pas que dans beaucoup de penseurs, nous avons effectivement, surtout des penseurs marxistes, des grands experts, de ce qu'on appelle des grands classicistes, hein, comme Lucien Goldman, comme, je dirais, Feu Georges Lukács, ou même Domenico Lussurdo, pas seulement une vision, nous avons également aussi, je dirais, cette notion chez Kluskar, c'est-à-dire que, en fait, différents penseurs s'articulent, s'intègrent au mode de réflexion de type marxiste. Alors, effectivement, ils disent qu'ils sont marxistes, mais en fait, ils ont de l'influence hegelienne. Donc, il y a l'imprécation de la pensée d'Hegel, l'imprécation de la pensée de Rousseau, de Kant. Donc, tout cela s'articule, donc les experts le savent, mais les néophytes, les béotiens, qui apprennent, qui effectivement le découvrent, mais pour l'homme non initié, le marxiste serait tout bêtement, je dirais, les derniers jours de l'URSS. Bon. Donc c'est pour ça que on a du mal à expliquer les choses sur un plan théorique quand on a
pas assez d'éléments, non seulement factuels, mais d'éléments aussi historiques, pour pouvoir faire comprendre qu'une pensée est une articulation d'un ensemble, je dirais, de choses. Donc, je parle justement que il est très important de comprendre qu'est-ce que le néo-kantisme, puisque même à l'époque, des discours, par exemple des néo-kantiens académiques qui ont pris position en faveur d'un socialisme éthique, je vous renvoie par exemple à la conférence de Karl Voigtländer, Kant et Marx, en 1904, dont Voigtländer, qui était à la fois un universitaire et un socialiste, affirma que le socialisme ne pouvait être déduit d'une science objective, étrangère à aucun jugement de valeur, ni d'une technologie politique, dont elle devait en effet fournir la base. Donc il soutenait, comme le fait, je dirais, M. Rubel, que tout socialisme, et donc implicitement le socialisme de Marx, avait nécessairement un caractère éthique. Marx a été une base de réflexion qui a permis l'ouverture, je dirais, de tous les autoroutes de la réflexion. Mais pas quelque chose de figé. Et donc c'est pour ça que Marx avait nécessairement défini comme étant une conception généralisée du socialisme, comme étant une forme éthique. L'éthique revendiquée, bien entendu, également s'inspirant des présocratiques. Néanmoins, en tant que penseur philosophique, sérieux, connaissant les, je dirais, les tréfonds et les plus au profond de Marx, Voigtländer opte immédiatement pour l'une des trois versions, entre lesquelles Rubel oscille perpétuellement. Pour lui, l'éthique socialiste de Karl Marx était implicite, voire même, on pourrait le qualifier cela, involontaire. Alors, pour illustrer cette position, donc nous sommes toujours dans le cadre de l'hommage, je dirais, modeste que je rends en tant que simple individu à l'égard de Lucien Goldman. Donc, je dirais, je prendrai la liberté de citer un long passage de sa conférence pour bien étayer les compréhensions de ce que. Pourquoi Lucien Goldman s'est inspiré de pas mal de penseurs, dont effectivement Voigtländer, qui est pour moi quelqu'un qui est un incontournable. Hein. Donc je vous renvoie effectivement à ce livre très intéressant, Kant et Marx, de Karl Voigtländer. Bon. Donc je cite l'auteur. À première vue, le socialisme de Marx et d'Engels semble totalement indifférent, et même hostile au point de vue éthique. Même si ce n'est pas vrai, de Marx, comme quelqu'un qui le connaissait personnellement, l'avait dit, qu'il éclatait de rire chaque fois qu'on lui parlait de morale. Il est vrai que les fondements de son socialisme étaient délibérément, s'il vous plaît, excusez-moi l'expression irrespectueuse, dépouillés de toute moralisation. Le manifeste communiste déclare ouvertement, par exemple, que les lois, la morale, la religion ne sont que des préjugés bourgeois sous lesquels se cachent tant d'intérêts. Les affirmations théoriques des socialistes ne sont pas basées, nous dit-on, sur des idées invoquées ou découvertes par un penseur qui veut améliorer le monde, mais simplement l'expression générale des vrais rapports sociaux d'une lutte de classe qui existe réellement. Non seulement sa polémique contre Proudhon, mais aussi une note dans Capital est ironique au détriment de l'idée de justice éternelle. Et tout lecteur du Capital, ou de l'autre grand travail théorique fondamental du socialisme scientifique, qu'on appelle l'anti-doing d'Engels, c'est que, avec quelle délibération, délibérée, ils ont tous deux exclu les points de vue éthiques de leur déduction. Comment expliquer cette curieuse répulsion contre l'idéalisme éthique dont le socialisme tire en réalité sa plus grande force? Eh bien, cela peut facilement être compris du point de vue historique et psychologique. Alors, effectivement, après avoir analysé ces raisons historiques et psychologiques, nous constatons une certaine hostilité à l'idéalisme spéculatif de Kant, Fichte et Hegel, la lutte, bref, contre le vrai socialisme, et Voigtländer poursuit dans sa dynamique, donc je vais vous lire le deuxième texte,
Et pourtant, une pensée éthique plus profonde était implicitement impliquée dans cette hostilité très apparente à l'éthique et à l'idéalisme. Le socialisme ne peut s'affranchir de l'éthique historiquement ou logiquement, si sur le plan théorique, ni sur le fait, mais mon temps étant limité, je dois abandonner la tentative de vous montrer comment les jeunes pionniers qu'ont été Marx et Engels étaient manifestement poussés par des motifs éthiques et à passer de leur position de bourgeoise radicale à des positions communistes. Et une preuve abondante de ceci peut être trouvée dans les travaux du docteur Volkmann et du professeur Masirac. Donc, surtout dans les premières écritures de Marx et d'Engels, juste publiées par Mehring, mais dans les œuvres où ils ont tous deux, je dirais, leurs attaques principales contre le socialisme, vrai ou philosophie, telles que le manifeste du Parti communiste, ou dans un travail presque entièrement économique tel que Le Capital, qui a, je dirais, pour intention explicite de révéler la loi économique du développement de la société moderne, ils ne peuvent éviter l'éthique d'une manière définitive. Le manifeste, par exemple, opère au moyen d'une série d'expressions éthiques telles que les oppresseurs opprimés, l'exploitation éhontée, ce qu'on pourrait qualifier, etc. Il reproche à la bourgeoisie d'avoir résolu la valeur personnelle en valeur d'échange, pour l'avoir noyée dans l'eau glacée du calcul égoïste, pour avoir créé une liberté de commerce sans scrupules. Il finit par la mise en place de l'idéal déjà mentionné d'une libre association dans le Capital. Les termes éthiques sont certes relativement moins fréquents, mais ils sont toujours là, présents. Déjà dans l'introduction, nous trouvons une mauvaise situation. L'exploitation, les furies de l'intérêt privé et les formes les plus brutales ou plus humaines de la lutte des classes. Si nous lisons les fameux chapitres sur la misère en Angleterre après la révolution industrielle, nous parlerons, comme Volkmann, d'un point de vue éthique dans le Capital, qui certes n'adopte pas le langage du prédicateur, mais plutôt de l'ironie, de la satire, du sarcasme, hein, issu, je dirais, d'un cœur profondément souffreur. Bollander, Kant et Marx, page 22-23. Livre incontournable, hein, que je me permets de vous conseiller de lire en tout bien tout honneur. Donc, finalement, au fond, quand on observe un petit peu toutes ces conceptions que a parcouru Lucien Goldman, car il est un chercheur, le fait que la réponse principale au néo-kantisme soit venue effectivement de Kautsky n'est évidemment pas une coïncidence. La plupart des théoriciens du marxisme, je dirais orthodoxes, à cette époque, et notamment, je vous renvoie à ce fameux penseur connu de l'époque qui s'appelait Pleganov, qui avait une tendance plus ou moins à faire une incursion spinozienne. Vous voyez, là on intègre aussi, je dirais, la praxie de Spinoza dans une certaine conception du marxisme. Vous voyez que les choses sont plus complexes. Hein. C'est une raison, je suis content de vous parler de Lucien Goldman, parce que ça me permet de faire comprendre à ceux qui ont une vision monolithe, voire monolithique du marxisme, en le condamnant d'une façon, je dirais, définitive, comme étant un élément tout à fait, je dirais, explicable, eh bien, absolument non. Là, je viens vous prouver qu'il y a des influences kantistes, spinozistes et hegelistes. Donc, les choses sont très, très complexes à l'intérieur des milieux, je dirais, de réflexion. Alors, effectivement, parlons de Pleganov, par exemple, qui avait une tendance, plus ou moins, comme je viens de l'intégrer, son champ d'application spinozienne, et était en tout cas des déterminismes, je dirais, rigoureux. Il faut se rappeler que Marx n'était pas déterministe, hein, pour la petite histoire. Donc il suffit de voir en particulier la troisième thèse, hein, sur Feuerbach. Pareil, Feuerbach est un penseur un peu différent, qui a apporté une conception de l'athéisme dans les sources marxistes, donc ce qui prouve que Feuerbach avait sa propre idée, et Marx avait son propre corpus, hein. Donc vous voyez, encore une influence extérieure. Donc par conséquent, s'il était, je dirais, je ne vais pas m'éterniser à essayer de décortiquer, faire de la dichotomie sur
les influences des différents penseurs marxistes. Donc, restons par conséquent là où, finalement, au fond, l'influence du déterminisme, dont Marx ne l'était pas, où effectivement nous trouvons dans, comme je viens de le préciser, la troisième thèse, où on voit tout particulièrement, je dirais, toutes les objections qui ont été établies, aussi bien de Orlander, des néo-kantiens en général. Alors, refusant toute finalité dans l'histoire et la vie sociale, ils ont évidemment eu la peine à placer la fin ultime, en fait, et de l'évolution historique, qu'on pourrait qualifier dans le domaine de l'éthique et des consciences individuelles. Et finalement, au fond, ils ont refusé encore de le faire, et c'était par loyauté envers la pensée de Marx, notoirement hostile à toute idée de socialisme éthique, et je dirais même d'un instinct politique, plutôt au nom d'une position théorique cohérente. Alors, par exemple, Kautsky, d'autre part, qui fut, je dirais, l'un des rares théoriciens du marxisme orthodoxe, qui, effectivement, ayant toujours essayé d'établir une synthèse entre le marxisme et le darwinisme, vous voyez, on y inclut maintenant Darwin. Donc il avait retenu l'idée d'une finalité immanente dans le monde organique et historique. De ce fait, finalement, au fond, les choses étaient apparemment capables de mieux se défendre contre les critiques du néo-kantisme. Alors, nous sommes aujourd'hui à ce qu'on peut appeler dans le pivot philosophique de son texte, hein, qui est la, je dirais, la phrase dans laquelle, en parlant du monde organique, il écrit: si nous considérons le monde organique, il présente avant tout une caractéristique en opposition au monde inorganique, ce que peut se définir par une certaine forme de finalité. Bon, en réalité, cette synthèse est prédiscutable, hein, du marxisme et du darwinisme, qui rencontrait, je dirais à l'époque, les plus sérieuses réserves des autres théoriciens marxistes, hein, qui finalement ne donnaient aucune priorité à Kautsky face aux arguments néo-kantiens, ce qu'on a pu définir effectivement sur la supériorité à Kautsky face aux arguments néo-kantiens. La science, je dirais, objective, déterministe ou finaliste, ne permet en aucune manière la conclusion dans l'impératif. L'argument, par exemple, de Poincaré, qui existait déjà quand Wallander a commencé à la formuler, dans ce que j'appelle sa critique, est resté encore aujourd'hui irréfutable. Alors, le fait, effectivement, que l'évolution historique soit nécessairement orientée vers le socialisme n'implique nullement l'obligation pour une personne particulière d'accélérer cette évolution, ou même simplement de l'approuver. Il n'est pas surprenant qu'à la fin de la brochure de Kautsky, nous trouvions un passage qui atteint en fait la même position que Wallander. L'organisation sociale-démocrate du prolétariat dans la lutte de classe ne peut non plus se passer de l'idéal moral dans l'indignation éthique contre l'exploitation et l'oppression de la classe. Mais cet idéal n'a rien à voir avec le socialisme, je dirais, entre guillemets, scientifique. L'étude scientifique des lois de l'évolution de l'organisme social pour connaître les tendances et les fins nécessaires de la lutte des classes prolétariennes. Alors, il est vrai que dans ce cas d'espèce, ou je dirais dans le cas d'un socialiste, le penseur est aussi un militant et aucun homme ne peut être artificiellement coupé en deux parties, dont l'une n'a rien à voir avec l'autre. Vous savez, rappelez-vous un petit peu, c'est... On peut être patriote et on peut être communiste. Donc, les choses sont plus complexes. Donc, finalement, au fond, parfois, même si on établit dans la recherche scientifique de Marx, on perçoit un idéal moral, ce qui peut, je dirais, en émaner. Mais il y a toujours, je dirais, correctement essayer de l'exclure autant que faire se peut, car en science, je dirais, l'idéal, la morale devient une source d'erreur s'il essaie de prescrire les fins de cette fameuse science.
C'est vrai que ça a été aussi également des grands, je dirais, des grands thèmes de réflexion, d'opposer la science et la morale. Alors bien sûr, il s'agit, je dirais, de certaines analyses qui peuvent être à des moments isolées dans des contextes bien particuliers. Nous avons des courants qui, aujourd'hui, sont à l'état embryonnaire et qui, finalement, au fond, n'existent que dans des domaines, je dirais, extrêmement restreints. Si on prend par exemple le néo-kantisme, aujourd'hui existe en Allemagne, mais a disparu peu ou prou en France. Le socialisme éthique, pareil. Donc, à un moment donné, il faut raison garder, essayer de réadapter tout cela. Même Kosky, qui était certainement sincère à son époque, dans ses convictions, il est, je dirais, néanmoins vrai qu'en reconnaissant l'existence d'une confusion entre, je dirais, les différents jugements, qu'ils soient éthiques ou même les jugements classiques chez Marx, même en admettant, je dirais, que cette confusion soit inévitable, pour tout militant, entre guillemets, socialiste, il reconnaissait implicitement la supériorité, au moins la supériorité intellectuelle, des positions néo-kantiennes sur les, je dirais, l'essentiel du débat. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les thèses et les combats de clochers universitaires ou d'écoles de pensée, mais revenir effectivement à, je dirais, Lucien Goldman et ses principales idées, dont pour lui Marx était un sociologue et de plus le fondateur de la sociologie. Même aujourd'hui, des penseurs aussi bien néoconservateurs que je dirais conservateurs ou le reconnaissent. Alors, pour Goldman, selon la conception marxiste, le socialisme est un peu, je dirais, une réadaptation. C'est pour ça que, est-ce que Goldman est un marxiste ou un marxien? Là est la question, et cela devrait soulever effectivement des réflexions, puisqu'il s'inspire de la conception de Marx, dont on le sait pertinemment, pour Marx, le socialisme sera réalisé non parce qu'il est justifié d'un point de vue éthique, mais parce qu'il sera le résultat d'un processus causal. Marx lui-même savait pertinemment que le capitalisme ne sera pas détruit par quelque force que ce soit, puisqu'il se nourrit. Je pense qu'il se détruira par lui-même. Et donc, le fait que le produit de la causalité soit également justifié d'un point de vue éthique n'est en aucun cas secondaire. Pour un marxiste, ce n'est pas un accident. Cette convergence des nécessités causales de l'évolution avec la justification éthique est un problème sociologique dans la pensée marxiste. Et ce problème ne peut être résolu que d'une manière causale. Alors, Goldman nous explique effectivement que Cohen, un grand nombre de penseurs, ou Stammler par exemple, ou Natorp, ou Stottinger, également même Forlander, jusqu'à présent, ont trouvé le lien entre Marx et Kant, dans l'idée que le socialisme doit compléter, par une justification éthique et ses fins, telles que données dans la philosophie pratique de Kant. Alors, me direz-vous, une telle manière d'établir l'accord doit cependant être énergiquement répudiée, et précisément d'un point de vue marxiste. Pourquoi? Le marxisme est un système de connaissances sociologiques, il fonde le socialisme sur la connaissance causale des processus de la vie sociale. Le marxisme et la sociologie sont une seule et même chose. Rappelez-vous cet ouvrage de Marx Adler, Kant et le marxisme, page 141. Donc c'est Marx et non, comme l'on croit d'habitude, Auguste Comte qui est le véritable fondateur de la sociologie. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce concept est reconnu. Cette attribution de l'idée de la sociologie est reconnue chez les
grands penseurs, chez les experts, même outre-Rhin. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, nous établissons le père fondateur de la sociologie, qui serait Auguste Comte. Eh bien, que nenni. Il faut savoir que, tandis que le développement du positivisme de Comte, d'Auguste Comte, était plus ou moins contemporain de celui de la pensée de Marx, avec Comte, la sociologie restait un programme plutôt qu'une science pleinement élaborée. La pensée de Comte nous affecte encore à travers la grande idée d'une conception positiviste, la vie spirituelle de l'humanité, c'est-à-dire à travers l'idée que les lois causales peuvent saisir la nature sociale, comme on a longtemps admis la nature physique. Mais au-delà de ce point de vue méthodologique, il n'a rien contribué à la réalisation de ce programme. Et je dirais même son attitude pratique ne va jamais au-delà d'une simple glorification de la valeur, de l'importance de la science pour la politique. Et c'est en cela qu'effectivement Lucien Goldman nous interpelle. Et c'est seulement dans le marxisme que la politique devient réellement ce que son nom affirme, un art au sens grec du mot, c'est-à-dire une action compétente et adéquate sur l'évolution de la vie sociale et étatique. En un mot, la technologie sociale. Alors, Goldman nous fait comprendre qu'effectivement, ce qui concerne les relations entre Kant, Marx Adler lui-même a élaboré, je dirais, une théorie assez originale, faisant du kantisme une première découverte, et donc, a priori, la conscience collective. Et Kant lui-même, je dirais, dans le créateur des premiers éléments épistémologiques rendus à la sociologie possible, Marx se trouve ainsi placé dans une continuité directe d'une ligne allant de Kant, qui découvre effectivement l'existence de la conscience sociale, à Fichte, qui introduit inexpugnablement l'idée d'action. Et bien entendu, ce ne serait pas juste de ne pas évoquer ou même invoquer Hegel, qui rend historique cette conscience sociale et pose les problèmes de la loi régissant sa dynamique. Voyez, Kant, Fichte, Hegel. Voyez que un individu, un homo marxus, si je peux m'exprimer ainsi, intègre aussi d'autres idées. Alors, je ne parle même pas des influences présocratiques, parce que alors là, je pense que je suis à 1 h 02, donc là, j'en aurai pour des heures. Et donc, ce sont tous ces points de mire qui s'articulent et qui constituent une conception, je dirais, adaptée de l'idée. Par exemple, la sociologie de Marx devient pour Marx Adler, par exemple, le point culminant de la philosophie classique allemande. Bernard Sombart lui-même a défini le socialisme allemand à travers des travaux d'influence. Nous pouvons voir la supériorité de sa position par rapport à celle déjà développée par d'autres penseurs marxistes. Bref, pour faire court et pour terminer, parce que là j'en suis à 1 heure, je sais que je ne suis pas là pour, je dirais, avoir un nombre d'écoutes, mais simplement pour que le simple aventurier de la pensée puisse bénéficier d'une certaine réflexion lors de la lecture de l'audio que je viens ou que j'effectue. C'est que pour conclure, en quelques mots, soyons, je dirais, probes, Goldman définit effectivement, de Rubel par exemple, que la manière dont on conçoit la biographie intellectuelle, au début, je dirais, à la lumière des différentes biographies, des ouvrages, qui sont effectivement les siennes, qui donnent des portraits fragmentaires sur les divers penseurs et chercheurs qui essayaient de saisir la pensée de Marx, qui ne réussissaient pas dans leur intention, surtout parce qu'ils se rapprochaient de Marx et bien sûr d'isoler l'économiste, alors que finalement cela était tout un tout articulé. Également le philosophe, voire même l'historien. Mais Marx fut
tout à la fois. Bien sûr, ces remarques contiennent un élément de vérité, puisque tout travail scientifique est nécessairement partiel et doit être complété par la contribution de chercheurs ultérieurs. Mais je dirais à ma connaissance, aucune biographie de Marx n'a eu auparavant l'idée ridicule, pour le moins, je dirais radicale, de séparer l'étude de sa pensée et celle de son action politique. Bref, on pourrait définir par une biographie intellectuelle qui parle de l'anarchisme, profondément enraciné chez Marx, de sa profession de foi anarchiste, hein, etc., etc. Bon. Et finalement, au fond, ne contenant aucune mention de son combat en théorie et en pratique contre Bakounine. Je rappelle un petit peu les relations un peu sulfureuses qui pouvaient y avoir entre ces deux grands monstres de la pensée. Nous avons également, effectivement, j'ai oublié de mentionner, une biographie dans laquelle Marx est attribué à une conception éthique du socialisme, mais je dirais ne mentionne même pas le conflit avec les dirigeants socialistes allemands au moment de l'affaire Hochberg. Donc, au cours de laquelle, bien entendu, je vous rafraîchis un peu la mémoire, Marx et Hegel résolument ont, par principe, pris la position contre toute collaboration avec certaines, je dirais, bases de socialisme, de certains penseurs qui ont voulu y articuler une certaine conception de la moralité, créant bien entendu, in fine, je dirais naturellement, des points de division. Bon. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous invite à lire ou à redécouvrir ce grand penseur, cette référence. Pour moi, est incontournable, Lucien Goldman. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique et je vous dis à plus tard. Merci.